Le collectif tudinien Cine a proposé un concert en plein air sur la place du Chapitre avec la complicité d'un restaurateur local. Je me présente, je suis Gérard Frolla, artiste tudinien, musicien, photographe, et nous sommes un collectif. Donc quand je parle en je veux aussi parler en nous, puisque c'est le collectif Cine, qui est un collectif d'expression artistique orienté sur la nature, qui a la chance de pouvoir se réexprimer, je vais utiliser le mot, dans cette période difficile, à nouveau au niveau artistique. Et aujourd'hui, nous allons présenter un morceau un peu inédit, avec une exposition inédite, où les trois membres du collectif exposent sur les vitrines de l'Impérial à Thouin, grâce à la complicité que nous avons avec Greg, le patron de l'Impérial. Et jour de vernissage, est toujours un jour de fête pour les artistes. Et pour marquer ce moment de fête, nous allons jouer un morceau sur la place publique. Et tout qui a envie d'un petit moment de partage culturel est le bienvenu. Donc l'envie était de partager et de permettre à des artistes et au culturel de pouvoir éventuellement aussi s'exprimer malgré la fermeture, étant donné que l'Impérial est fermé et que les vitrines sont quand même là. Donc on a mis à disposition pour une exposition au collectif Cine tudinien les vitrines pour qu'elles puissent exposer. Et aujourd'hui c'est une espèce de petit vernissage sous condition Covid, donc on fait ça à l'extérieur. Il y a du gel aussi hydro, on va respecter toutes les distances quand les personnes sont là. Et le collectif Cine, avec Sylvie Carlier, Gérard Frolla et Laurent Donkers, vont jouer ici avec des instruments improbables, avec des instruments qu'ils ont fabriqués eux-mêmes à base de matériel de récupération, quoi. Donc c'était un choix de faire un concert live pour qu'ils puissent s'exprimer au lieu de mettre une playlist sur une clé USB, quoi. Donc revenir sur le partage, l'humain et le vivant. Alors le morceau vient d'un concept, Le concept, c'est l'impermanence. L'impermanence, c'est ce qui arrive quand on est en train de faire autre chose en général. Donc c'est vraiment le fait que la vie nous amène tous les jours des surprises. Et on doit être prêt à ce que la vie nous embarque dans une direction différente ou l'autre. Le morceau que nous allons jouer aujourd'hui, c'est un morceau nouveau, puisque ce concept de l'impermanence, on l'a vécu de plein fouet avec, évidemment, cette crise, pour ne pas en parler. Et nous travaillons sur un nouvel album, puisque c'est le deuxième album, sur ce thème de l'impermanence. Et on va jouer un morceau qui s'appelle « Laisser du sens », puisque c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour nous, résonne tout à fait particulièrement. Il y a plein de personnes, d'artistes qui sont en attente. On est dans le bénévolat, c'est ça un peu aussi, c'est dans le partage. Donc je sais que c'est pas toujours facile. Mais voilà, nous on le fait parce qu'on se connaît, la symbiose s'est faite. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble au mois de janvier. Tous les mois de janvier, on fait une partie culturelle à l'Impérial sur la place du Chapitre. Donc il faut réellement, même surtout si ça se prolonge, il faut réellement que les artistes et les personnes se rencontrent, quoi. Donc il faut provoquer les choses.